sûr. Parce que croyez-moi, je suis un homme heureux aujourd'hui. Face à cette mobilisation grandiose que la population de la ville a organisée à l'occasion de mon arrivée ici de la campagne pour les élections communales. On m'avait dit que la population de la paix était en otage, on comprenait de la libérer. Je suis Alpha Condé, a voulu insigner que les populations du Soudan et de l'otage de l'UFDG ont de se libérer. J'ai dit à Manon et à Garabat de remettre l'otage. Je viens d'autre que votre attachement est effectif à la justice, à la démocratie et au respect des droits humains. Et que cet engagement en faveur du triomphe de ces valeurs reste demain, aujourd'hui comme hier. Vous n'êtes pas en otage, vous êtes des hommes libres, des femmes libres. J'avais choisi de combattre l'injustice, l'arbitraire et la violation des droits humains dans notre pays. Mais monsieur Alpha Condé, l'incarnation de la mauvaise gouvernance, avec la corruption, avec la dilapidation des ressources publiques, avec la violation récurrente des règles de la démocratie et de l'état de droit. Et nous sommes déterminés, comme beaucoup d'autres Guinéens, à mener le combat pour nous débarrasser de cette mauvaise gouvernance, pour libérer la Guinée de la peur, de l'injustice, de l'arbitraire, mais aussi de la haine et de la violence. Nous voulons que demain, les Guinéens soient unis par un effort de par leur attachement commun à la justice, à l'état de droit, mais aussi à la sécurité. Vous êtes attaché à ces valeurs et vous êtes déterminé à mener le combat. Vous n'êtes l'otage de personne, c'est votre conviction. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas isolé. À Zélepré, à Mandana, à Bété, à Ferretaria, partout, les démissions sont massives du RPG pour venir adhérer à l'UFDG. Et vous allez le constater, au lendemain des élections locales, que les listes de l'UFDG, qui existent pratiquement sur l'ensemble des préfectures et des sous-préfectures, vous allez voir que partout, l'UFDG triomphera. L'UFDG aura des conseillers dans toute la République. Vous savez déjà que lorsqu'on a constitué, lorsqu'on a composé les délégations spéciales, dans 128 circonscriptions, l'UFDG était présent dans les 124 et était dans les 115 présidents ou vice-présidents des délégations spéciales. Aujourd'hui, dans toutes les sous-préfectures, sauf 17, l'UFDG a présenté des candidats. Et il y a un engouement très fort, parce que nous sommes un parti national. C'est aujourd'hui que nous ne combattons pas un homme, un parti ou une communauté, mais nous combattons l'arbitraire, l'injustice, la discrimination, la stigmatisation, la corruption, la mauvaise gouvernance, la pauvreté. Monsieur Alpha Condé est l'incarnation de toutes ces contre-valeurs. Et c'est pourquoi nous resterons debout jusqu'à la victoire finale. Alors, on va dire que nous allons faire un second de la médaille qui a mis en
You're gonna